Salut, salut à toi, oui, c'est à toi que je parle, toi qui regardes cette vidéo, toi qui es peut-être un abonné ou un futur abonné, je t'en remercie d'avance. Toi qui n'as pas envie de t'abonner parce que tu trouves mes vidéos moches, mais qu'un cela tienne, tu as peut-être raison, tous les goûts sont dans la nature, mon ami. Mais il faut aussi peut-être te remettre en question, tu as peut-être aussi des goûts très très moches. Ça me fait bien rire, non, je rigole. Pour ceux qui me connaissent pas, moi c'est Mister Zardog, on se retrouve aujourd'hui sur Call of Duty Black Ops sur une vidéo que je vais proposer à Code QG. Voilà cette chaîne communautaire voilà que j'aime beaucoup. Donc je me suis dit pourquoi pas tenter de leur demander s'ils voudraient bien passer ce petit gameplay, commenter en différé pourquoi. Bah déjà le gameplay à la base quand j'ai voulu l'enregistrer ça n'a pas marché, mon logiciel a merdé. Donc du coup j'ai dû partir en mode studio comme vous avez pu le constater pour l'enregistrer. Et c'est une vidéo commentée en différé non live. C'est comme ça, c'est la vie. C'est parti. Alors au niveau du gameplay, donc je joue avec le M14 qui est un fusil d'assaut américain, il me semble des années 1957, d'après ce que j'ai vu vite fait au niveau d'internet, au niveau de mes renseignements. Donc je vais proposer cette vidéo à Code QG, pourquoi? Déjà tout simplement pas spécialement pour le score, même si le score est quand même honorable, je le propose surtout par rapport au... Ben, à l'arme, hein, au M14, on voit pas beaucoup de gens qui jouent avec cette arme. Et finalement, ben moi j'ai bien aimé, j'ai bien kiffé cette arme. Surtout que là j'ai rajouté une petite poignée. Il faut savoir que cette arme, quand vous regardez un peu ses stats, elle a quand même pas mal de dégâts. Et franchement, voilà, on peut tirer de loin, hein, au niveau de la distance. Après, bon, c'est vrai qu'au niveau de la précision, c'est pas trop ça, mais avec la poignée, on gagne un peu de précision. Donc c'est plutôt cool. Moi personnellement je me suis bien amusé avec, en tout cas sur cette partie, même sur d'autres, hein. Même si c'est vrai que là j'ai fait un score plutôt bon. Donc on est en domination sur la map Zoo, ça je l'ai pas dit, hein, sur la map Zoo, Brooklyn Zoo. Un petit dédicace à Old Dirty Bastard, le chanteur de Wu-Tang Clan qui est décédé, mais en même temps c'est un petit peu normal, car il buvait un petit peu, il se droguait un petit peu et aussi il était aussi un peu foufou, hein. En même temps, comme on dit, c'est toujours les meilleurs qui partent. Ma foi, c'est comme ça. Je sais pas si c'était le meilleur, mais en tout cas, il faisait du bon son avec son groupe. Sinon, donc, je vous ai vu, je suis en domination. Au niveau des atouts, alors, j'en ai pas parlé. J'ai pris, comment ça s'appelle, Pillard. Pillard, c'est vraiment un atout que j'utilise jamais en général. Je prends jamais cet atout. Et vous allez bien, bien voir que je l'utilise jamais puisque je vais souvent ramasser des armes quand je vais plus avoir de balles. Voilà, je suis tellement dans mon délire en train de jouer. Au niveau de l'atout 2, donc j'ai pris Passe-Passe Pro. Le 3, Marathon Pro. Et les accessoires, grenade paralysante, Semtex et une petite clé mort pour protéger son petit cucu, ses petites mimiches. On sait jamais si ça veut venir nous caresser le fessier derrière. Je préfère avoir une petite clé mort derrière moi comme je viens de faire et de poser à l'instant. Parce que j'aime pas trop qu'on vienne me caresser les fesses quand je suis en train de tirer. À part si c'est une jolie brune aux yeux bleus ou une petite asiatique que j'aime beaucoup. Ça c'est dit. Donc la petite clé mort est de rigueur. Et des asiatiques et des filles aux yeux bleus, enfin des brunes aux yeux bleus, je pense pas qu'on en trouve souvent sur Call of Duty, hein. Black Ops, on en trouve à mon avis beaucoup plus à l'extérieur. Et on trouve beaucoup plus de poilus sur Call of. Bon voilà, j'ai balancé mon SR-71 maintenant et j'ai envoyé mes chiens aussi. Je suis avec mon pistolet, tranquillement et j'attends. J'attends que ça se passe, les chiens font le boulot. J'attends le bon moment pour sortir pour pouvoir récupérer une arme. Ce que je vais faire d'ailleurs, et regardez sur quoi je vais tomber. Oh, le FAMAS, mon arme de prédilection, c'est vraiment une arme que j'aime beaucoup. Alors je sais pas si c'est vrai, mais j'ai lu récemment sur un forum qu'ils allaient faire une mise à jour pour baisser les stats du FAMAS. J'espère que c'est faux. Je sais pas s'ils vont baisser sa puissance ou sa précision. Et si c'est le cas, je suis bien dégoûté parce que s'il y a bien une arme à baisser, c'est pas le FAMAS, mais c'est plutôt le AKU, encore une fois. Mais bon, ça, encore une fois, ça n'engage que moi. Et regardez, on me lance des grenades avec un lance-patate. Mais qu'est-ce que j'ai sur mon FAMAS? Voilà, c'est un lance-patate. Et oui, mesdames et messieurs, tu veux jouer au lance-patate? Moi, tiens, prends ça. Il faut dire que la partie précédente. Donc, les joueurs qui étaient en face, hein, c'était les mêmes. Et ils se sont amusés à me bombarder
avec leur lance-grenade à chaque fois que j'allais prendre un point. Donc du coup les points, ben, j'y vais un peu moins souvent parce que j'en avais marre de me prendre des coups de lance-patate. Et là du coup ben, je me suis dit tiens, vu que j'ai un coup de un petit FAMAS avec un lance-patate, je vais me venger parce que moi je suis bien rancunier, j'attends le bon moment. Et là c'est le bon moment, voilà, c'est tellement facile de balancer un coup de lance-patate quand il y a du monde sur un point. Voilà, deux kills, tranquille et mille. Et oui, tranquille et mille, oui, très bonne expression, ouais, je sais. Donc voilà, un petit 2 kills facile. Hein. J'espère que dans le prochain Modern Warfare 3, j'espère que ils vont faire un petit effort, d'après ce que j'ai vu, ben, peut-être sur les accessoires et sur les atouts. J'espère que le lance-patate, malheureusement, à mon avis, il y sera pour satisfaire tout le monde, hein, surtout les noobs. Et certains atouts aussi, hein, j'espère qu'ils disparaîtront. Comme le baroud d'honneur, tout ça, mastodonte hein, qu'il y avait avant. Ça, c'est vraiment des trucs qui sont bien chiants et bien gavants et qui, je trouve, gâchent le jeu. Après, bon, c'est pareil, c'est mon avis propre, mon avis personnel. Mais je pense que beaucoup sont d'accord avec moi. Donc, comme vous pouvez le constater, je fais quand même une plutôt une bonne partie. Je suis sur un 31-2. Je suis donc toujours avec mon M14. Et j'arrive quand même à faire pas mal de frags avec. Hein. J'enchaîne pas mal de kills. Et c'est vraiment malheureux qu'on ne voit pas beaucoup de personnes jouer avec ces armes-là. Alors moi j'aime beaucoup le design des armes en bois. Hein. Quand je dis en bois, c'est pas les armes en bois, les armes pourries. Hein. Les armes en bois, la matière. J'aime beaucoup jouer aussi avec le fusil à pompe, l'Olympia. J'ai fait une véritable boucherie de carnage avec ce fusil à pompe. Et d'ailleurs, à la fin de la vidéo, je vous mettrai un petit bonus vite fait. Hein. Sur une petite série de victimes en guerre de territoire avec l'Olympia. Et vous allez voir que je me régale plutôt pas mal. Même si c'est vrai que bon, le level peut-être en face n'était pas très élevé. Donc vous voyez, j'enchaîne toujours avec mon petit M14. Voilà, lui, je galère un petit peu pour l'avoir. Voilà. Donc tous ceux qui voudront jouer avec cette arme, hein, franchement, je vous propose de mettre cette poignée. Parce que ça aide vachement à gagner en précision quand même. Voilà, encore une fois, j'envoie mon SR-71. Maintenant, tout est une question de, je vais pas dire de tactique ou de stratégie, mais à bien faire attention à regarder la position des mecs qui se déplacent, des ennemis qui se déplacent sur la carte. Il me reste plus que 2-3 kills pour avoir mes chiens, donc faut que je me la joue serrée bien comme il faut. Prendre les bons ennemis pour avoir mes chiens, essayer de regarder bien leur positionnement, et de regarder comment ils se déplacent pour essayer de les avoir dans le dos pour faire des kills faciles, parce que j'ai pas envie de me prendre la tête à faire un face à face et à le perdre et ne pas avoir mes chiens. Donc là il me reste quoi, je crois qu'il me reste plus que 2 kills à faire pour avoir mes chiens. Voilà, un petit couteau tranquille facile, hein, je vous ai dit, il faut essayer de trouver la facilité, la simplicité pour avoir ses chiens. C'est ce que je suis en train de faire. Donc comme je vous avais dit tout à l'heure, hein, j'ai pillard, mais j'ai tellement l'habitude de jouer avec fantôme et comment s'appelle, poids léger d'habitude, que j'en oublie que si je veux, je peux ramasser des balles sur les ennemis. Donc du coup, ben, je fais comme si j'avais pas pillard et je me balade avec mon petit pistolet à la recherche d'un ennemi à tuer pour mon dernier kill pour mes chiens. Et là, j'en ai vu un partir dans le tunnel et je le suis, je le traque tel une hyène et voilà. Grâce à lui, je te remercie, mon ami. J'ai mes chiens, encore une fois, on peut dire que j'ai quand même eu mes chiens deux fois, je pense, avec le M14. Et c'est quand même plutôt pas mal. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et un petit coup de couteau entre les trois, oui, c'est bon ça. Je récupère son petit fusil. Vous allez voir qu'est-ce qu'il y a sur le fusil. Qu'est-ce qu'il y a sur son fusil, regardez. Un lance-patate, et oui, mesdames et messieurs. Encore une fois, c'est incroyable, c'est incredible. Voilà, je vais me positionner pour envoyer ma frappe au napal. Alors moi j'aime beaucoup cette carte, sur le pack hein, Escalation, c'est l'une de mes préférées avec Hôtel, je trouve qu'elle est vraiment bien foutue. Voilà le système de rail qui est au-dessus pour pouvoir aller tuer les ennemis qui campent au-dessus sur le balcon là, c'est vraiment sympathique. Là bon, je vais en profiter pour récupérer le point vu que mes chiens font le travail. Donc je vous disais, hein, franchement, cette carte, avec Hôtel aussi, j'aime beaucoup Hôtel, seulement Hôtel est vraiment très très grande. C'est peut-être le petit souci de cette carte, je la trouve vraiment très très grande. J'ai hâte de voir, en tout cas, bon, j'ai déjà vu un peu sur Internet le nouveau pack qui va sortir, qui est déjà sorti sur Xbox, comme d'habitude, hein, car ils sont toujours privilégiés, mais c'est un petit peu normal, car les abonnés payent
le réseau, donc ils ont des petits privilèges et Xbox a payé les droits, donc ma foi, c'est comme ça. Nous, Sony, c'est un réseau gratuit, donc on n'a pas autant de privilèges. Mais bon, faut être patient. C'est pour ça que moi j'ai pris ce pack-là il n'y a pas longtemps, parce que c'est vrai que ça renouvelle un peu le gameplay sur Call of Duty Black Ops. Moi, je joue que sur ces cartes-là pour l'instant parce que j'en avais un petit peu marre. Des cartes qu'il y avait à la base, hein, basique, je les ai tellement fumées que du coup, voilà quoi, j'ai acheté ce pack et ça me permet de reprendre le goût et de rejouer à ce jeu, hein, et surtout de me faire plaisir en changeant. J'aime bien jouer, voilà, comme je l'ai dit, jouer avec des armes que personne ne joue en fait. Voilà, je trouve ça plutôt cool. Et puis, comme vous pouvez le constater, on peut réussir à faire de bonnes parties même avec des armes avec lesquels personne ne joue et qui sont pas spécialement réputés sur le jeu, quoi. Là j'en ai vu au fond et là je vais lui faire un petit coup d'encutut ou de fils de tute, parce que vous avez vu les effets spéciaux. Et voilà, moi, oh, je suis génial, je suis sadique, moi j'aime bien, ça me fait rire en tout cas. Là j'en ai deux que j'avais pas vu arriver en tout cas. 61-5, hein. On arrive vers la fin de la partie, en plus on est en train de gagner 189 à 172. Comme je l'ai dit, ça reste quand même une partie assez honorable, vu l'arme que j'utilise. Là, je veux essayer de récupérer B, mais en fait, avec le recul, je me dis que j'aurais jamais dû y aller, parce que finalement, de toute façon, même avec un point, avec l'avance qu'on a, de toute façon, on gagne. Donc ça sert franchement à rien que j'y aille, mais je vais y aller quand même, parce que je suis un fou. Et là, je vais être attendu, regardez, lance-patate, c'est parti, ouais, et le hot-dog à l'américaine, j'ai fait la saucisse, j'étais pris entre deux pains. Voilà, c'est génial. On arrive sur la fin de la partie, voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, voilà, sur ma chaîne Mister Reservoir Dogs. Et merci à Code QG en tout cas s'il passe le gameplay. Si c'est le cas, ben tant mieux. Écoutez, je vous remercie. Voilà, on gagne 200 à 194. Je me fais buter à la fin, mais tant pis, c'est pas grave. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Et au niveau du score, je crois que je finis avec un 63, 8 morts, 2 captures, 7 défense. Et voilà, c'est bon. Allez, à plus. Ciao, ciao. Sécurise A.